Concernant l'art et plus spécifiquement en relation aux technologies, une exposition que j'ai vue à Séville avec une thématique de Peter Weibel avec qui vous avez travaillé. Peter Weibel, le directeur fondateur du ZKM de Karlsruhe, très important dans ces questions d'art et de technologie, avec une expo qui s'appelle Universe, vous êtes au centre de l'univers, ouais. Et vous avez une part du commissariat de cette grande biennale d'un art contemporain et technologique. Oui, tout à fait. En fait, à Séville, c'était un événement vraiment très, très intéressant avec le directeur de l'époque, José Lebrero-Stels. Évidemment, Peter Weibel, directeur du ZKM à Karlsruhe, qui est un des lieux les plus intéressants dans le domaine des technologies numériques et qui développe aussi un travail non seulement prospectif, mais aussi archéologique dans le champ des technologies. Donc, voilà, donc c'était un grand honneur que d'avoir une section à l'intérieur de cette biennale qui était consacrée essentiellement à l'architecture, où j'ai pu présenter pour la première fois les recherches de Neri Oxman, que l'on a retrouvée par la suite, qui est chercheuse au MIT et qui est vraiment au croisement des neurosciences, de l'architecture, du design. Et donc c'était en 2008 la première fois que Neri Oxman exposait en France ses recherches, qui étaient déjà avec l'impression 3D, la recherche de nouveaux matériaux dans le domaine des nouvelles technologies. Donc il y a eu également Ecologic Studio qui était présenté aussi pour la première fois, qui ont réalisé une nouvelle installation dans la fabrique du vivant. Electronic Shadow, les artistes numériques dont on parlait tout à l'heure, qui avaient fait aussi une installation interactive. Donc en fait, oui, cette partie autour de l'architecture était vraiment aussi sur la transformation des langages de l'architecture vers une nouvelle forme de matérialité numérique qui pouvait être interactive avec Electronic Shadow ou aller vers de la création de nouveaux matériaux avec notamment Neri Oxman, et il y avait également une partie de design interactif. Voilà, donc c'était un petit peu cette idée-là qui était sous-jacente à l'organisation de cette partie architecture qui comportait beaucoup aussi d'environnement et d'installation. À votre champ d'expertise, on va dire, il est plutôt sur la deuxième moitié du XXe siècle, où vous êtes tout à fait intéressé par la question aussi des utopies, de ces architectes qui construisent, mais aussi de ces architectes, et j'ai envie de dire presque plus encore, de ces architectes qui ne construisent pas nécessairement. Ce qui nous renvoie aussi à la question de l'utopie en architecture, déjà au siècle des Lumières, où on voit apparaître, si ça n'existait pas déjà, mais là, tout particulièrement visible, ces architectes comme Boulez, le Doux, le Queux, dont on connaît aujourd'hui essentiellement les dessins, de ces architectures qu'on aurait aimé voir construire, mais qui, pour l'essentiel, sont restées à l'état de dessin. Alors c'est vrai que je ne fais pas de différence entre l'architecture construite et pas construite, et donc l'architecture étant essentiellement une pensée créatrice. Et en ce sens, elle peut avoir une effectivité ou pas d'effectivité, et la recherche en architecture peut ne mener qu'à réaliser des dessins, tout simplement. Donc on n'est pas obligé effectivement de penser l'architecture comme nécessairement une chose construite. Effectivement, l'architecture des Lumières avait un travail d'approche effectivement conceptuelle, d'ailleurs, sur l'architecture, puisqu'il ne s'agissait pas de construire, mais de travailler, de penser l'architecture sous forme d'image. Et donc, ces architectes, Boulez, Le Doux, ont été très importants, Piranèse également, qui vont véritablement interroger la nature du dessin architectural. Et c'est aussi à cette époque que le dessin architectural va acquérir un statut, va acquérir une spécificité. Et donc, c'est cette recherche sur l'architecture historique, j'ai pu la mener aussi à travers ma thèse sur la maquette d'architecture qui interrogeait les utopies. Le sujet était la maquette d'architecture comme outil d'expérimentation. Et donc j'ai fait toute une recherche historique qui allait de l'Antiquité à nos jours. Donc il y avait en fait trois parties. Une première période historique où j'analysais le rôle de la maquette qui apparaît dans la maquette telle qu'on l'entend aujourd'hui, surtout à la Renaissance. La maquette comme instrument en fait de communication. Et toute l'histoire de la maquette est liée à la mimésis. La maquette va être toujours dans un rapport d'analogie à l'architecture. Et la maquette a un statut surtout opérationnel pendant toutes ces années. Et donc il faudra attendre le début du XXe siècle pour que la maquette acquière un statut d'autonomie esthétique. Avant, on la retrouvait par exemple dans les cabinets de curiosité, aux côtés de copies d'antiques, aux côtés de moulages. Donc il n'y avait pas de spécificité de la maquette d'architecture en tant que telle. Et donc avec les avant-gardes architecturales, donc on est au début du siècle avec le suprématisme, le constructivisme, tous ces grands mouvements d'avant-garde, la maquette va être considérée comme un objet esthétique en soi et va se
se retrouver comme telle dans le travail des artistes. Bon, par exemple, Kurt Schwitters en est un bon exemple où il va vraiment développer toute une réflexion à partir de la maquette. Et donc, et en même temps, les artistes, on pense à Malevitch, à Lisitsky par exemple, vont penser les œuvres comme des constructions spatiales. Donc on a un véritable phénomène de rapprochement, de convergence entre les artistes qui parlent d'œuvres comme d'une construction spatiale et la maquette d'architecture qui devient une œuvre, entre guillemets, qui acquiert cette dimension esthétique. Et les deux vont se recouvrir de manière vraiment très intéressante dans ces avant-gardes du début du siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que la maquette d'architecture va déborder de son propre champ pour investir le théâtre, le champ de la photographie, du film. Et voilà, où il y aura des mues, en fait, de cette maquette d'architecture dans d'autres disciplines artistiques. Et c'est en fait ça que j'ai étudié essentiellement. Donc là, c'est la partie des avant-gardes. Et évidemment, il y avait l'architecture radicale et les utopies architecturales de l'après-guerre. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur cette période qui était l'enjeu de la collection du Frac Centre, qui se retrouve aussi dans les collections du Centre Pompidou, où il s'agissait de voir évidemment de quelle manière les architectes s'exprimaient. Et les architectes, en fait, étaient animés à cette époque aussi d'une forte, je dirais, implication sociale, politique. Et de la même manière, parallèlement, des marches d'artistes à cette époque, ils souhaitent, je dirais, intervenir dans la ville. Il y a beaucoup de performances urbaines. Tous ces groupes, que ce soit Ostrokorkouk ou Pimelblof, font des interventions urbaines. C'est le cas aussi en Italie, en Angleterre. Donc, généralement, on parle beaucoup d'une architecture de papier, parce que c'est vrai qu'ils faisaient des dessins, qu'ils dessinaient des villes à venir, mais en même temps il y avait une dimension d'action sur le terrain qui était très proche de l'action artistique et qui était vraiment du coup assez indissociable. Mais si on prend par exemple l'archigramme avec ses dessins de mégastructure, on est nous-mêmes au Centre Pompidou dans une mégastructure avec cette architecture du Centre Pompidou de Piano Rogers qui est une incarnation de cette utopie en fait des mégastructures des années 60 qui prévoyait en fait des villes qui n'étaient que des infrastructures. Il n'y avait plus de forme architecturale mais juste une pure infrastructure. On avait une modularité dans l'exploitation de cette infrastructure. Et donc, lorsque Piano Rogers conçoivent ce bâtiment, ils conçoivent là aussi une machine, une pure infrastructure qui fonctionne par plateaux superposés, qui s'ouvre sur la ville. Et voilà, donc, quelque part, les utopies se sont parfois incarnées d'une manière ou d'une autre. Aussi, dans le domaine des technologies numériques, aujourd'hui, on peut réaliser des architectures comme on avait les architectures organiques des années 60. Aujourd'hui, les architectes ont complètement la possibilité, à travers les nouveaux outils numériques, de les réaliser aujourd'hui. Donc voilà, donc si on les considère sur le plan des idées et d'une développement d'une véritable richesse conceptuelle, là on se rend compte qu'il s'agissait beaucoup moins d'utopie que d'un véritable finalement travail de recherche. Alors on peut considérer d'ailleurs que si on voulait rassembler toutes ces formes que vous évoquez en faisant la relation aussi au cinéma, on pourrait utiliser le terme d'architecture expérimentale que je pense vous utilisez vous. Et puis il y a un autre terme que j'ai noté, c'est au travers d'une exposition avec une publication aux éditions X, dont vous êtes assez proche aussi, de Frédéric Miguerou, sachant que votre destinée est aussi beaucoup liée à celle de Frédéric Miguerou et en région centre et ici, puisqu'il est aussi en poste au Centre Pompidou et on y reviendra, c'est le terme d'architecture non standard. Oui, alors pour le coup, c'est vraiment un concept de Frédéric Miguerou. Lorsqu'il arrive au Centre Pompidou, il fait cette exposition, si je me souviens bien, en 2003 ou 2004, Architecture non standard, qui acte en fait là aussi la transformation de l'architecture donc face à l'intégration avec l'intégration des technologies numériques. Et il présente une douzaine d'architectes. Et cette idée d'architecture non standard se retrouvait déjà théorisée quelques années auparavant, notamment par Objectil, Bernard Cache, Patrick Bossé, qui avait théorisé ce principe en fait de variabilité des formes. Donc c'est-à-dire qu'avec les technologies numériques, on pouvait produire, réaliser, construire des objets toujours différents.
différents. Et l'impression 3D, les machines à commande numérique, il y en a une qui est présentée pour la première fois dans cette exposition Architecture non standard, incarnait ce principe de variabilité. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, avec l'imprimante 3D, imprimer des objets de manière industrielle, mais ils seront à chaque fois différents. Et donc, ce principe de variabilité de l'objet inscrit la forme dans l'idée d'un processus, d'un temps qui est toujours ouvert, et donc également dans un principe qui n'est plus celui de la reproduction, mais de la réitération, dans un autre temps qui est celui du numérique où on a la forme et la matière qui vont être étroitement imbriquées. Et donc l'architecture non standard est la possibilité donc offerte aux architectes de réaliser numériquement, de concevoir numériquement et de réaliser, de construire aussi à l'aide de machines à commande numérique l'architecture, le projet architectural qui peut être toujours différent et peut être réalisé à une grande échelle à travers les machines à commande numérique, à travers les imprimantes 3D. Et cette architecture non standard, donc le concept venait également d'Abraham Robinson, d'un mathématicien, donc il y a tout un développement effectivement théorique, historique que Frédéric Miguerou a développé dans cette exposition. Mais c'est vrai que ça va vraiment incarner un moment qui montre l'importance justement de nouvelles approches de conception et de fabrication numérique.